Aïe. Ah oui, d'accord. Ici la Bastian Hasdawa. Battre Takar Kalapar. Laiwasu Udam Ulha Hayash. Takar Bal Tasha Daus. Donc vous l'aurez compris, jusqu'ici nous avons deux grands ennemis. Eh bien salut à toutes et à tous la même compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien comme d'habitude. Moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 8e épisode de notre incroyable aventure sur Far Cry Primal, évidemment. Nous sommes au village, c'est magnifique, bonjour. Bonjour. Ouais d'accord, ouais. Bref les amis, j'espère que vous allez bien sur ce beau lever ou coucher de soleil, je ne sais pas, vous l'aurez compris. Donc dans le dernier épisode, on s'en souvient, on est allé voir Batar des rochers de Mashbaya. Voilà, de Isula, je sais plus trop les noms etc. Mais bref, la folle qu'on a vue, elle s'appelle donc Batari, va falloir la battre. Et à ce propos, emparez-vous de ce fort, Isila, lourdement garder et affronter le commandant. Nanana, pas tout de suite. Et puis de l'autre côté, donc on a les méchants au sud, on a les méchants au nord, avec donc ici le fort Udam. Donc ça c'est les méchants originels, j'ai envie de te dire. D'ailleurs c'est ceux qui nous ont fait chier dès le départ quoi. Mais bon, a priori, Isila, c'est, je sais pas s'ils fricotent ensemble, mais ils sont aussi contre nous, alors que nous on est gentils. Alors c'est quand même vachement vachement dingo quoi. Bref, donc nous... Oh mais attendez, qu'est-ce qui se passe ici? Escaladez la paroi avec votre griffe grappin et ramassez des plumes rares dans les nids d'aigle. Oh, est-ce qu'on commencerait pas cet épisode de manière chill? Ça peut être sympa, c'est juste en haut là. C'est difficile mais c'est chill. Donc c'est sympa. En plus on gagne pas mal d'XP. On va y aller les amis en ce début d'épisode. Et puis par la suite on verra bien ce qu'on fera. On a tellement de choses à faire. Regarde. Qu'est-ce que tu veux toi? Jarsna Waicha Su Shayu Chwanta Taticha Hawinja Baodash Winja Santayam Hanawa Chwanta Daha Manaapa Guam Kalimhai Usasakwi Su Prashta. Quête ajoutée au menu carte. Par contre on en parle qu'il avait la même voix que Vass. Vous savez Vass dans Far Cry 3, il a la même voix. Je dois être complètement fou. J'ai pas compris où c'est qu'il m'a ajouté la mission. Bon enfin de toute façon on s'en bat les steaks de sa vie là. Qu'est-ce qu'on s'en fout, on fait déjà les totems hein, à un moment donné. Il veut quoi là? Cèdre du nord, caillou nord du nord, argile du nord. Ouais on en aura au fur et à mesure. Puis même dans les coffres à mon avis dans le coffre, dans les coffres chaque jour on va en avoir au fur et à mesure hein. Vous inquiétez pas, on va pouvoir améliorer ça tranquillou-bilou. Très important d'améliorer les huttes du village, bien évidemment. Allez, c'est parti. Et vous savez qu'on s'est même pas promené ici encore. Hein. On s'est jamais vraiment promené dans ce coin-là. Hein. C'est mignon. C'est mignon. Et en plus, en théorie, on devrait pas être trop... Voilà, ici, c'est que des bambis, là. On devrait pas être trop agressé, quoi. Si, peut-être par les aigles, à la limite. Parce que là, on va se choper des plumes. Oh salut bichon. Il est beau le bichon. Allez on va longer la map. Bonjour les petites sèvres. Est-ce qu'on peut monter là ou pas? Parce que vu la map, c'est la limite. Tout à fait, absolument, vous l'aurez compris, on ne peut pas aller plus loin. Ça me rappelle un épisode hors série que j'avais fait sur Far Cry 4 où j'essayais de glitcher la map. Et on l'avait fait, on avait pu sortir des limites de la map pour accéder au temple final de Far Cry 4. Enfin bref, pour ceux qui ont suivi, hein. Petite aventure sympathique. Hein. Bah, généralement, tous les Far Cry, franchement, on se régale. Je dis bien généralement. Alors, la petite feuille verte aussi, ça fait plaisir. Pourquoi ça crie là? Pourquoi ça crie? Ici, il se passe rien, c'est safe là. Là, il n'y a pas de. Il n'y a pas de méchant là. Pourquoi il y a cette musique qui s'active là? Mais il y a des ressources là-haut, c'est-à-dire qu'on peut monter. Attends, ah mais on peut encore monter en vrai. Il dit, eh, regarde, on peut pas monter, c'est la limite de la map. Et pourtant, il y a des ressources là-haut. C'est une plaisanterie. Comment se fait-ce? Je ne sais pas. Les mammouths. Ah, le sanglier.
Ça va les mammouths? On pourra bientôt vous monter dessus. C'est bon ça. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a du sang? Ah oui, il y a du sang tout le long là. Oh non, les pauvres bichettes, ils se font attaquer. Oh le doll, tu te calmes le doll. Non mais c'est quoi de ça? On n'attaque pas plus faible que soi. Oh. Mais non. Cache de chasseur, examiner la peinture rupestre pour trouver une ressource rare. T'énerve pas, ça va bien se passer. Incroyable. Attendez, parce que là je viens de me lancer une quête secondaire. Je kiffe. Je kiffe. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je suis censé mettre ma main là ou... Non bah je vais suivre j'ai certainement rien compris. J'ai certainement rien compris. De toute façon je peux pas passer par au-dessus. Je peux rien faire là. Il y a du sang, est-ce que c'est un rapport ou pas? Hein? Oh là! Dans ta gueule! Voilà. Ah ça t'a fait peur, allez moi je suis un titan. Eh ouais, tu crois quoi? Je suis titanesque, mais non on peut monter. Alors là le grappin ce sera pour après. Ah oui, donc en fait on peut quand même grimper alors à mon avis. Non mais attendez les gars, je suis navré, j'aimerais bien qu'on avance. Mais là ça m'embête. Ça m'embête. Pas grappin que j'ai pas vu là. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas mettre ma main là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si j'envoie une grenade, ça sert à rien de toute façon. Étudier les peintures rupestres pour trouver une ressource rare dans les environs. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Il faut étudier. Et là, si vous regardez bien. Bah, je peux pas l'étudier aussi. Je peux pas l'étudier! Comment j'étudie? Bon, bah voilà. Bah, je. Certainement un bug. Certainement un bug. Je peux pas l'étudier. Normalement, il y a une animation qui est censée l'étudier, mais ça marche pas. Bon, bah, c'est pas grave. Tant pis. On va continuer. Peut-être que. Petite tortue. Peut-être que par la suite ça viendra. C'est peut-être une quête annexe. Je sais pas. J'avoue, je sais pas. Allez. On va monter en haut. Ah oui, donc en effet, on pouvait bel et bien monter. En dehors des limites de la map, entre guillemets, ce n'est pas réellement les limites de la map. Ok. Ah, d'où le fait qu'il y a des ressources. Eh, comment t'as fait pour monter toi, loulou? C'est dingue ça. Est-ce que ça passe ici? Parce qu'en fait, je sais pas où je suis censé aller. J'ai certainement rien compris comme d'habitude. Ok. Hop là, voilà, moi je fais des petites cascades. Aïe! Ah ouais, d'accord. Attaque! Mais attaque! Non mais fais pas pipi sur le serpent! Voilà! Connasse! Putain, il m'a fait peur! Bon! Il y a encore du sang là. C'est complètement dingue! Pourquoi ça saigne tout ça là? Le pic de Ross! Ok! Ça se trouve la quête que j'ai vue tout à l'heure, ça a un rapport, je ne sais pas. Oh là, on fait du parcours. Allez, let's go. Let's go. Oh là. Oh la tuile. Allez. Ouais. Oh l'échec. Oh l'échec. C'est pas grave. Très kiffant. Oh c'est beau. Oh c'est tellement beau. Non. Ah, on aurait pu monter par là. Oh regardez. Le nid d'oiseau. Incroyable. Bon, j'ai bien vu qu'il fallait aller là. Là. Hop. Impeccable. Attention, ça va donner le vertige les enfants hein. Si jamais vous êtes vertigophobe, fermez les yeux, ça va bien se passer.
Gravissez la falaise pour trouver les plumes d'aigle rares pour Woga. Ok. Ok. 4 plumes d'aigle rares. Voilà. En voilà une. Viens voir. Et paf. Ah, dommage. Ah, je pensais que j'avais le truc. Ah, je pensais que j'avais le truc. Attends, viens voir. Paf. Oh, le nul. Bah voilà. J'ai même reçu un point de compétence. Je peux pas récupérer de plume sur lui là, vraiment. Ok. Eh bien, on va continuer notre parcours. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable, j'adore ce jeu. Paf. Oh, c'est fou. Ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours du feu. C'est complètement dingue. Tu sais pas pourquoi, mais il y a du feu. Ce qui permet évidemment de pouvoir tout allumer. De la viande. Là, il faut brûler ça. Évidemment, je brûle. Mais c'est quand même con, hein. C'est quand même con. Voilà, la suite se passe ici, hein, j'en suis certain. Là, normalement, tu meurs asphyxié, hein, donc faut peut-être pas rester ici. Peut-être pas le meilleur bail d'allumer un incendie dans une grotte. Hein. Eh bien, ça n'a servi à rien. Ce que je fais ne sert à rien. Ah, là. On va tout brûler. Et tu sais quoi, au pire, on brûle tout et on revient après. Parce que là, j'ai un doute, là. J'ai un doute sur ce que je dois faire, là. Gravissez la falaise, bah... Ah, mais purée, la suite, elle est là. Mais je suis bête. Mais attendez, y a... ah, c'est un bait. Il y a forcément quelque chose à faire ici, les gars. Y a rien, là. Y a rien. C'est juste un bait. Ok. Eh ben, je suis embaité, là, ouais. Colis de tabarnak. Allez, c'est parti. Montons. Montons, montons. Allez plus haut. Ça va être loin quand même, hein, parce que 4 plumes, faut les chercher. Hein. Alors ça, ouais, bah là-haut, c'est sûr, mais là, et attendez bien. Vous avez vu où on est là? Excusez-moi, hein, je m'éloigne. Hein. J'adore le concept. Hein. Un petit wingsuit là. Je suis en dehors de la map, mon frère. Ah, attendez, je suis en train de faire carrément autre chose que ce que je dois faire. C'est pas grave. J'adore. Excusez-moi, c'est mon petit côté aventurier qui ressort. Là, tu peux pas dire que je bâcle le jeu. Hein. C'est sûr, il y a un truc là, il y a un easter egg. Ah. Non. Non. J'ai... Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, regardez. C'est pas grave. Ça reprend là. Rassure-moi, ça reprend. J'ai trop le seum. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est juste en dessous, les gars. On va pas... C'est pas comme si j'avais abandonné à la fin. Allez, j'ai juste à descendre. Voilà. Hop. Et à recommencer ici là, c'est pas grave. Je suis sûr que ça respawn en plus. Voilà, c'est ça. Ah mais c'est bon, j'ai une plume sur 4, non mais c'est bon. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. Paf. Arrête. C'est un scandale. C'est un scandale. Ce qui m'arrive est injuste, mais c'est pas grave. Paf. Voilà. Je suis victime d'une injustice hein. Allez, on continue. Voilà, je me suis un petit peu égaré, hein, mais c'est mon côté Mkolo l'aventurier, bien sûr, qui ressort. Donc, on a très bien compris que la suite se passe ici. Qu'est-ce qu'il veut, lui, là, me tourne autour, là, ça le vaut tour. Bah. Aïe, là, c'est parti. Ouh, j'ai eu chaud au kiki. Ouh, j'ai eu chaud au kiki. Allez, c'est par ici, messieurs, dames. Parcours. Hop, on enchaîne. Et ça, les gars, la préhistoire, c'était commun. Hein. C'est le marsupilami. Hein. Oh, putain. Moi, j'ai cru que j'avais fail. Oui c'est toi, marsupilami. Allez, une deuxième plume par ici. Merci, bonsoir. Foutez-moi la paix, là, les aigles. Oula. Oh, c'est... En plus, dans tous les cas, je revenais là. Voilà. Oh, bah, j'ai récupéré des plumes encore. Let's go. Ah, bah non, c'est pas des plumes rares. Faites pas chier. C'est pas des plumes rares ça. Nul. Par contre on est trop bien là. On est trop bien. Oh. Alors attends parce que là ça va être très dangereux. Ne reproduisez pas ça chez vous les enfants. Voilà. Aïe.
Ah oui d'accord. Alors attends. Il y en a encore là-haut, c'est facile. J'ai de la chance. Y'a rien là. Ah je cherche des easter eggs en vrai. Et voilà. Plonger dans l'eau. Je suis obligé de plonger dans l'eau là. Eh mais il est super précis lui hein. Super précis. Allez on plonge dans l'eau. À la one again. Oh c'est superbe. Oh c'était magnifique comme mission. J'ai adoré voilà. J'ai adoré ce moment. J'ai adoré ce moment. Et si vous aussi n'hésitez pas à mettre un like. C'était super kiffant. Oh petite grotte. Petite grotte sous l'eau voilà tranquille bidou. Eh ben j'ai bien aimé. Voilà c'était la petite mission chill du début d'épisode. Parce que là maintenant on va un petit peu moins rigoler. Ah il y a une main d'Aïcha là-haut. Eh ouais maintenant que j'ai tout redescendu c'est pratique hein. Non parce que là sur les hauteurs c'est quand même vachement chouette hein. Ah c'est quand même vachement chouette les gars. Est-ce qu'on essaierait pas de monter. Franchement hein. Ah ouais mais attendez mais du coup je suis pas monté par là moi. On fait comment pour monter là. Y'a pas une hyène normalement là. Oh mince. Alors lui il a voulu faire pareil que moi. Sauf qu'il n'y a pas réussi. Oh des abeilles. Oh c'est excellent. Ouais on peut pas monter par là hein. Oh. On peut pas monter par là. Bon bah tant pis la main d'Aïcha à moins que je peux faire le tour. Ah oui bah voilà. Attendez. Je suis sûr qu'on peut passer par là en vrai. Parce qu'il me semblait qu'il y avait une hyène là. Ouais regarde. Oh regarde ce que j'ai trouvé encore une grotte. Oh. Pardon. Ah c'est tout. Ok. Ah bah je suis déçu, je m'attendais vraiment à ce que je trouve un truc de zinzin. Mais c'est bon, on peut remonter par là. On peut monter par là. Là. Et là, voilà. Donc là on est de retour sur le chemin des aigles royaux. Là ils vont pas nous embêter. Je suis pas là pour vous les gars. Je suis là pour Aïcha. Aïcha. Enfin plutôt pour sa main précisément. Est-ce que je peux récupérer encore des plumes. Non dommage. Oh trop stylé. Bon y'a rien derrière la cascade. J'aime bien vérifier on sait jamais hein. Un petit easter egg en vrai. Donc là y'a rien. Ah voilà. Voilà voilà voilà. Et bah c'est marrant parce qu'avant il y avait rien. Là, c'est vrai qu'il me faudrait un antidote. Un antidote contre les poisons comme ça là. Alors attends toi mon pote. Voilà ça racaille. Toi t'étais pas là avant hein. Un deuxième serpent. Hop là. Impeccable. Voilà il m'a fallu trois flèches hein, évidemment. Mais il n'y a quand même rien. Bon. En tout cas il était pas là avant lui hein. Enfin je crois pas. Je perds peut-être la tête. Donc on va monter par ici. Et là on va enfin pouvoir librement vaquer à nos occupations. Oh non. Paf. Oh non. Oh je l'ai eu. Je sais pas comment mais je l'ai eu. Une vraie mitraillette mon arc hein, depuis que je l'ai amélioré hein. Ah on va pas se mentir c'est un bonheur. Bon bah on va voir, on va être déçu parce que c'est sous terre. Voilà hein, on va être déçu. C'est sous terre à moins qu'il y ait une grotte ici. Permettez-moi d'en douter. Donc il doit bel et bien y avoir un accès à quelque part. J'ai trop le seum. Ah il y a vraiment rien à faire ici par contre hein. Oh j'ai trop le seum. Ah oh, puis les glissades c'est pas les glissades de Far Cry 6 hein. Bon bah voilà. C'était la main d'Aïcha. Peut-être qu'il y a une grotte en contrebas ici. Mais franchement ça m'étonnerait fort. Par contre c'est stylé d'être sur les hauteurs là. Tu te sens un peu intouchable. Comme le film. C'est vraiment chouette. Oh. Qui m'aurait vu là. Qui m'aurait vu.
Ah, en bas là. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce que t'as toi? Attaque! Il est où mon loup? Attends, je vais prendre par derrière. Je vais prendre par derrière. Wesh, tu m'as fait trop peur. Hop! Et hop! Ça, c'est du travail d'équipe! Ça, c'est du travail d'équipe. Hop! Qu'est-ce qui se passe? Oh! Touche pas mon loup! Merci. Ah, on est vraiment très très bon. On est vraiment très très bon. Du coup, il y a un sauvetage à faire à libérer les Wenja. Ah, monsieur, bonjour. Voilà. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Bah, tu sais quoi, on va se promener par là en vrai. Je sais pas où on est, mais c'est mignon. Enfin, c'est mignon. Oh, tu l'as vu lui? Attendez, parce que là je peux faire un petit enchaînement sympa. Reste ici. Hop! Et hop! Voilà! C'est le plaisir! C'est le plaisir de faire les choses bien. Ah, je voulais pas faire ça. Et d'ailleurs, regardez, il y a un point d'interrogation ici. En vrai, c'est ça ce qui est cool avec ce jeu aussi, c'est que tu peux te promener sans ouvrir la map. Et tu trouveras toujours des choses. Donc je trouve que c'est intéressant de commencer cet épisode comme ça. Qu'avons-nous là? C'est en bas. C'est ici. Oh waouh. Ah mais on y était déjà, souvenez-vous, au tout début de l'aventure. Ah, c'est point d'interrogation, lieu inconnu. Mais attendez, en plus on est bête. Parce qu'il suffit de faire ça. Mais pourquoi j'y avais pas pensé au début de l'aventure? Je suis sûr en commentaire vous me l'aviez tous dit. Eh ben, je suis vraiment bête. Eh ben voilà, qu'on est idiot, hein, c'est pas grave. Ah non, moi que j'avais déjà essayé et que ça brûlait pas. Ah, y'a moyen aussi. Parce que ça a pas l'air de marcher, hein. Ça a pas l'air de marcher. Eh, ça a pas vraiment l'air de marcher, hein. Ah, d'accord. Et le problème, c'est que j'ai les bombes au piquant, mais c'est quoi? C'est juste des piqûres d'abeilles, donc ça va pas exploser, donc ça sert à rien, quoi. Eh, mon loup! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas d'abord? Oh purée! Faut tous les surveiller! Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il me voulait lui. Bon, qui c'est qui t'a tué là? Ah d'accord! Ok! T'es sûr de ça mon gars? Voilà. Voilà, ça fait mal hein. Hello again. Aïe. Arrête, tu brûles. Tu brûles, tu vas mourir. Fous-moi la paix. Hop là, le glitch, t'as vu ça? Je crois qu'il est pas mort. Il est mort. Ah, je prends feu, au secours. Ah, il y a un autre ours là-bas. Et il y a des dôles. Il y a des dôles qui sont synchronisés, ils font les Jeux Olympiques. C'est vraiment des victimes, hein. Bon, comment je fais pour y aller là? Mise à mort. Mais il va se calmer mon loup là. Oh, foutez-moi la paix, merde. Oh, c'est quoi cet épisode? Viens là mon loup. Au pied. On arrête les bêtises là. Bon, là on est là, on va faire nos missions là, on va jamais s'en sortir. Explorer la grotte reculée. Je serais bien curieux. Et en plus il y a une grotte à côté. Ça doit être celle-là d'ailleurs. Oh, il y a des singes. Non mais attendez, ça c'est une zone vraiment que j'ai envie d'explorer là maintenant tout de suite. Hein. C'est une zone que j'ai envie d'explorer là maintenant tout de suite. Hein. Allez, on y va. Direction le sud. Dans tous les cas, les méchants nous attendent. Eh bien absolument partout, donc peu importe où on va, c'est la suite de l'histoire et c'est la galère. Donc messieurs dames, en attendant que vous mettiez un petit like si vous n'avez pas encore fait, eh bien je vous souhaite une bonne nuit. Voilà. Impeccable hein, le jour qui se lève. Mais il faut se lever à l'aube, hein. Ça c'est pas l'aube, hein. Ça c'est déjà midi là, hein. C'est trop tard. Hein.
Là c'est plus l'heure pour se lever là. Hop. Impec. Allez. C'est juste là-bas. On y va. Et attendez parce que regardez à côté de quoi j'aurais pu passer. De ça. Voilà le masque easy là. Le deuxième. Ah mais c'est le... Bah oui, j'avais pas reconnu, c'est l'avant-poste qu'on a fait dans le dernier épisode qui était absolument incroyable d'ailleurs. Incroyable cet épisode. Alors, par contre là ils sont violents ici. Hein. Ah ouais. Alors attends. Tu vas pas t'enflammer toi comme on dit. Hop. Ça fait mal. Hein. Oh. Voilà, viens, viens voir si t'es un homme. Ah, je peux l'apprivoiser. Arrête. Oh ouais, d'accord. Je peux l'apprivoiser, je peux l'apprivoiser, je peux l'apprivoiser, je peux l'apprivoiser. Tiens. Non, non, arrête. Arrête. Oh, ce loup de merde. Il est jaloux, c'est pour ça. Tiens. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Oh, je suis un boss. Oh, je suis un boss. Dent de sabre. Ah, voilà, dégage. Oh putain, il fait trop peur. Oh, le dent de sabre. Oh, bah là, on est sur un autre level. Hein. Là, on est sur un autre level. À titre de comparaison, regardez, on est ici, le dent de sabre. On avait d'abord le loup blanc. On est passé quand même à un truc de ouf avec le loup tigré. Et là, mes gars... Alors attendez, parce qu'en fait, c'est de la merde. Il a plus de force, il a 1000 fois plus de vitesse. Discrétion, c'est la même. Par contre, il résiste pas au feu. Mais c'est le prédateur le plus rapide. Et cette bête est chevauchable. Nécessite la compétence chevaucheur de bête. Pardon. Pardon. Compétence. Pardon. Chevaucheur de bête. Et il faut d'abord chevaucheur de mammouth. Alors attends. Ni une, ni deux. Et voilà, on va pouvoir chevaucher donc les mammouths pour s'amuser, mais surtout chevaucher cet animal. Non mais c'est incroyable, il me reste un point de compétence. Et on va, eh bien on va, précision grandement accrue. Allez, voilà, c'est important la précision. Messieurs, dames, je peux lui monter dessus. Messieurs, dames, je suis le roi des animaux. Non mais c'est quoi cette dinguerie là? Alors je peux attaquer. Je peux attaquer. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Allez, on y va. On y va. On va super vite en plus. Hein. Oh là 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 là. Mais ça, avec ça, on fait peur à tout le monde. Hein. Avec ça, on est le roi du pétrole. Hein. Oh, oh purée. Oh purée des pommes de terre. Eh, c'est vraiment incroyable. Oh, j'espère que vous kiffez. Je m'attendais vraiment à tout sauf à ça. Eh, salut. Paf. Dans ta gueule. Paf. Allez. Wallé, tu vas faire quoi? Merde. Ah d'accord. Ah bah je me suis enflammé. Adieu. Arrête. Voilà. Alors là, je m'attendais pas à ce que je me fasse soulever comme ça. J'avoue, je me suis cru comme un invincible. Il est vrai que j'ai cru que j'étais invincible. Arrête, je suis pas Winja moi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Aïe. Je suis pas Winja, laissez-moi. Je suis où là? Oh non, un singe. Ah. Arrête. Mais tout le monde veut ma mort ici. Ok. Bon bah, je vais le rappeler. Eh bien je peux pas. Je peux pas puisqu'il est mort. Mais tu vois la paix. Oh putain. Oh purée. Alors là tu vas voir. Alors là. Alors là tu vas voir. Non mais là je peux rien faire, il est trop fort. Je peux même plus enflammer le. Je peux même plus enflammer le. La flèche, si je peux. Je te jure.
Je vais me venger hein. Je vais me venger hein, pour ce que tu m'as fait hein. Paf. Voilà. Attends parce que j'ai l'impression que là-haut il me... commence à me saouler hein. Attends, je vais envoyer mon hibou. Excusez-moi, ça part dans tous les sens hein. C'est à n'y rien comprendre, mais là on se fout de moi. Donc là je vais juste lui montrer à quel point je me chauffe. Voilà, allez ça régale hein. C'est un vrai plaisir bien sûr. Allez, on dépucelle le jaguar et on se casse en fait parce que là c'est juste pas possible. Merci pour tes plumes mon poulet. C'est juste pas possible. Ça part dans tous les sens, je n'y comprends rien. Et on est dans une zone qui commence à être relativement complexe. Ça y est, je peux peut-être appeler mon animal maintenant. Voilà. Finalement, il n'est pas invincible. Il n'est pas invincible. Je me suis peut-être un peu enflammé, j'avoue. Je me suis cru invincible. Il a eu peur. Il a eu peur. Bon, déjà, on fait peur au jaguar. Le tigre, il fait peur au jaguar. C'est pas mal. Hein. Bah, putain, ouais. Après, regarde le temps de sabre. Il est gigantesque aussi. Tu m'étonnes que tu fais peur à tout le monde. Attends-moi, 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 attends-moi. Attends-moi. Pas possible ça. Merci. Putain, t'es têtu toi hein. Bon. Du coup moi à la base je voulais aller voir bah oui c'est ça, le penseur. C'est par ici. Bon, ce qui est pas mal, c'est que je peux m'échapper de n'importe quelle situation grâce à cet animal. Hein. Ça, il faut, faut quand même le souligner. Par contre, comment je fais pour monter? Ça, c'est encore une autre question. Laquelle je n'ai pas encore la réponse. C'est vrai qu'on va super vite. Hein. Feu de camp découvert. Ah bah parfait. Ah bah impeccable. Salut. Salut. Ah ouais, on va super vite. Hein. C'est un réel kiff. Salut. Camp de Wenja Maita. Comment je descends? Comme ça. Absolument. Bon bah c'est plutôt pas mal tout ça. C'est plutôt pas mal. Allez, on va rencontrer cet homme. Aider Urki à apprendre à voler. Non mais c'est une plaisanterie. C'est quoi de cette histoire encore là? Winja. Koshawi Warha? Urki Yishwara Kwati Patashta. Urki Yishwara Kwati Patashta. Winja. Uapatash Fupausi Khan. Uapatash. Urki Shawi Wapatash Walla Deuce Deuce. Urki San Patra. San Patra. San Pupau San Patra. Ta. Ta Pupuna Kuala. Ta Pupuna Kuala. Urki Sakui. Urki Sakui Ha Patra Daha. Ta Urki Patash. Ta Urki Patash. Alors les amis, aujourd'hui c'est l'épisode des plumes hein. Parce qu'on a quand même commencé à chercher des plumes d'aigle. Et là il faut qu'on continue de chercher des plumes. Mais pour quelqu'un d'autre là. Chasser et dépecer des animaux pour Urki. Mais c'est incroyable. Par contre ce gars me fait fortement penser aux autres Far Cry. Il s'appelle pas Urk justement. L'américain complètement barge là sur Far Cry 3, Far Cry 4. Enfin surtout les Far Cry, même Far Cry 5. Il est partout. Vous voyez très bien de qui je parle, c'est incroyable. Ok, il veut que j'aille là. Mais là, il y a une grotte aussi. Bon, on ira plus tard de toute façon parce que... Oh, attendez. Masque, masque, pierre. Main d'Aïcha. Ok. Eh ben, c'est l'épisode des plumes, j'ai bien compris. Et j'ai bien compris. Allez, allons-y, allons-y, allons-y. Bon, par contre, je doute vraiment ce que je vous racontais au début de l'aventure, vous savez... Qu'ils ont vraiment fait des recherches. Enfin, pff, ils parlaient pas comme ça la préhistoire. Arrêtez de vous voiler la face. Ils ont les mêmes intonations qu'aujourd'hui. Alors, je sais que là, c'est pour le fun. Hein. C'est plus pour rire qu'autre chose. Mais voilà, soyons sincères deux minutes.
Hop. Voilà. Ça, c'est du travail d'équipe. C'est bien, mon garçon. C'est bien, mon garçon. Alors, oiseau neigeux, tortue, corbeau, poisson, croc. Ok. Eh ben, écoute, déjà, on va dépecer ce pauvre tapir qui n'avait rien demandé, par contre, pour le coup. Donc là, faut qu'on trouve 4 animaux. Mais il n'y a aucun rapport avec les plumes. Bon. Alors là, on va prendre la sagaie. En vrai. Ce sera le plus simple. Ah, ah, il a peur. Il a peur de lui, hein. C'est trop bien. Merde. Bon bah au moins je vais trouver le poisson croc facilement. Poisson croc croc. Où c'est qu'il y aurait un poisson croc croc là? Et comment tu veux que je chasse ces animaux là? Je vais me mettre au milieu de la flotte. Il y a encore des méchants là? Ah ouais. Attends, parce que là mon tigre là, il va encore s'en mêler là. Attaque! Et lui là. Oh merde! Je me suis trompé de cible. Oh, fais chier. C'est chiant ça. Ah, oh, il est bloqué mon loulou. Il est bloqué mon loulou. Oh non, t'es bloqué loulou. Bon bref, poisson croc là. Ou tortue, n'importe, il me faut un animal là. Y'a que dalle. Ah, il est de nouveau là. C'est quoi ça? C'est ça le corbeau? Pas du tout. Ah si, oiseau neigeux. Bon, c'était pas le corbeau, mais c'est pas mal. Là, on a de la tortue là. Paf! Voilà. Hop, le plongeon. Ça régale. C'est pour le spectacle. Voilà, la tortue c'est fait. Corbeau, poisson, croc. Eh ben, je sens qu'on va en chier. C'est un corbeau ça? Peut-être. Ah, ils me voient de super loin les ennemis quand même, hein. Bon, ils vont pas me saouler longtemps eux là. Ah mais ils sont nombreux en plus. Ils sont nombreux. Ils sont 4. T'arrives pas à attaquer là mon loulou là. Votre bête ne peut pas atteindre la cible. Ah, c'est chiant. T'arrives à te téléporter mais il attaque qui là? Je suis en train d'attaquer qui là? Oh, il y a une cache ici. Ok. Hop, ça dégage. Ça dégage. Bon. Corbeau, poisson croc. Déjà le poisson croc, il faut... Là. Il était temps, hein. Paf. Mort. Paf. Paf. Voilà. C'est pour le plaisir, ça. C'est pour le plaisir de pas se faire croquer le fiac, surtout. Voilà. Le petit poisson croc. Et puis tant qu'on y est, les gars, autant récupérer les autres. Ça peut servir. Je sais pas encore pourquoi, mais peut-être pour des améliorations par la suite. Qui sait. Voilà, c'est jamais perdu de toute façon, les amis. On appelle ça la surconsommation. Et on aime ça en 2024. Vous le savez, c'est à la mode. Les gens kiffent. Allez, plus que le corbeau. Mettre corbeau sur son arbre perché. Alors, il faut qu'on trouve un arbre perché. Alors ça, c'est pas gagné. Allez, on va passer par là-bas. Alors là, je sors de la zone de mission. Bon. Y a pas de raison qu'on trouve pas. Corbeau. Ah, vous avez entendu? J'ai entendu le corbeau. Bon, c'est certainement ce truc qui vole. C'est du spectacle, hein, ce que je vous proposais. Et je pourrais pas le chasser avec le hibou? Attendez, je suis en train de réfléchir là. Le hibou, il peut pas chasser le corbeau là? Il est où le corbeau là? Eh, c'est Fly Simulator ou quoi là? Là. Tu le vois le corbeau là? Eh ben, je peux rien lui faire. J'ai trop le seum. Oh yes. Oh yes. Oh non. Oh putain. Oh, j'ai trop le seum, j'ai plus de flèches. Oh, il me faut du bois dur. Et j'ai plus de bois. Alors là, je suis dans le mal. Ah là, je suis très très mal, mon copain. Ah, ça va.
C'est assez facile à faire des flèches en vrai. Par contre ouais ça va vite hein. Alors là va falloir m'expliquer comment. Oh tu m'as fait trop peur. Va falloir m'expliquer comment faire. Parce que là, messieurs les corbeaux. Et ben voilà. Eh, ni plus ni moins. Ça c'est fait. Apporter les ingrédients à Urki. Zebardi. Ah c'est Rockstar Games hein. Point A, point B, point B, point A. C'est ça qu'on aime. T'es sérieux mec. Attaque. Oh et en plus c'était tout seul, ils m'ont même pas vu les deux autres. Oh les nuls. Gros nul va. Pourquoi vous vous peignez en bleu en plus là, vraiment c'est une dinguerie de faire ça. Ah bah voilà, cache des récompenses en plus. Ah bah c'est superbe. On a plein de belles choses. Bah tu vois, regarde, elle m'a récupéré de la peau de bête de... Ah non, peau de bête rare. Ah oui, c'est du poisson croc rouge, donc rien à voir avec ce que j'ai dépecé avant. Ok. Allez. Attends, on va se les faire aussi pour le plaisir, bien sûr. Un bonheur, hein, bien sûr. C'est un bonheur, hein. Oh, c'était le talent à l'état pur, ce que je vous ai proposé, hein. Oh, bah oui, abonnez-vous, je rends. Abonnez-vous, je rends. Ouais. Ma foi. Hop, on va enflammer la flèche parce que je sens qu'on va m'embêter là. Non, tac. Allez, ça c'est pour le plaisir. Oh, yes. Eh, je suis vraiment mauvais. Je suis vraiment mauvais. Apporter les ingrédients. Mais qu'est-ce que tu fais là-haut, toi? Ah oui, tu veux vraiment voler. Ah oui, d'accord, j'ai compris, ouais. Attends, viens, mon coco, j'ai besoin de toi. Hop. Bon, alors faut pas être pressé si on veut fuir. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, par où on monte? Par ici? Ah c'est quand même beaucoup plus rapide. Et en plus je peux ramasser malgré tout les loots. Ça c'est superbe. Est-ce que t'arrives à sauter ou pas? Ah non. Dommage. Hop, tu me fais la courte échelle. Allez. Mais là il va nous faire une dinguerie là. Incroyable. Ok. Borscht, Buddha Kuala Borscht! Unu Urki Patra Daha! Uha Darsh! Uha Darsh! Darsh Urki Shawi Wa Patash! Dash Urki Shawi Wa Patash! Uha! Uha Darsh! Uha Darsh! Ok, regardez Urki sauter, mais moi j'ai envie de sauter moi. Oh putain, non, 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 mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais... Ah ! Allez, hein, c'était la petite vanne du jour, évidemment, CTRL-Z, on n'a rien vu. Oh mon dieu. Mais en fait, je sais pas pourquoi, dans ma tête, il y avait la flotte, en fait, juste en dessous, et en fait, que nenni, mais voilà, bah, j'ai montré à Urki qu'on ne pouvait pas voler, donc à ne pas reproduire chez vous. Mais il va quand même essayer de le faire, parce qu'il a les plumes que je lui ai ramassées, bien sûr. Donc il va y arriver. Voilà, là la légende raconte qu'il ne ressuscitera pas. C'est une blague. Ah non, il est encore en vie. Ah, il est encore en vie, c'est bon. Ça va, mon gars? T'es où, mon frérot? Ah, d'accord, il est dans le... dans la botte de foin, là. Oh, le con. Oh, le con. Bon, j'ai adoré ce moment. Ça c'est fait. Ensuite, à confection, bon, je peux refaire des gourdins. Carquois. Transporter 24 flèches. Hop là. Transporter 32 flèches. Attendez. Ceinture à gourdins. Transporter 6 gourdins de chaque type. Dans tous les cas, je peux faire les deux. Let's go. Oh. Transporter 48 flèches. Allez. J'ai amélioré mon carquois au maximum. Si ça c'est pas formidable, je ne sais pas. Mais moi je crois que c'est vraiment... c'est vraiment formidable. Allez les amis, il faut qu'on avance. Et on va avancer de ce pas.
On va tout simplement regarder. Ici, nous avons un avant-poste. Oula, très difficile. Très difficile. Ouais, mais à un moment donné, va falloir y aller quand même. Après, moyenne, facile. Bah attendez, mais on est con ou quoi? Bon, après, la map est tellement grande. On s'est étendu. Ah ouais, mais on est loin en fait. Mais attendez, mais on est au bord de la. Ah, mais on est au bord de la map ici. Mais attendez, mais. La map est grande et elle est petite en même temps. Du coup, on n'a pas. C'est formidable. On va faire. Bah, on va faire ça, les gars. Ah, mais attendez, mais c'est complètement fou. On va faire cet avant-poste, donc là ça va être vraiment facile, les amis. Mais on est là, voilà, il faut qu'on clean quand même la zone. Si je puis dire, cleaner la zone, parce que bon, il y a toujours les méchants, mais voilà, on va tout faire pour que ce soit vraiment propre. Là, si je saute dans l'eau en vrai, incroyable, j'ai cru que j'allais mourir. Voilà, je vais être très honnête avec vous, je me voyais mort. Et en plus, j'arrive pile au bon moment pour la fête. Donc ça, ça fait plaisir. J'arrive pile au bon moment. Oh merde. Dommage. Hop. Dommage. Dommage. Hop. Non, non, stop. Voilà. Voilà. À la one again. Aïe. Voilà. Ça c'est fait. Bon, j'ai vraiment fait n'importe quoi, mais. Finalement, est-ce que c'est pas pour ça que vous me kiffez? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'essaie de me rassurer. Voilà, c'est comme ça que je faisais. Alors, c'est par ici, bien sûr. Bah, du coup, niveau arme, attention, parce qu'il me reste deux flèches. Il me reste que dalle. Voilà, il me reste que dalle. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Oh non. C'est bon. Faudrait que je récupère du bois. Faudrait que je récupère du bois. Parce que là, clairement, c'est le caca. Voilà, c'est le caca. Bon, après, là, ça va, l'avant-poste est facile. Fort heureusement. Ah! Oh, du coup, attends, je peux le chevaucher? Du coup, il est gentil, en vrai. Est-ce que je peux le chevaucher ou pas? Oh! Incroyable. Let's go! Oh, voilà l'avant-poste, mon gars. L'avant-poste, ça va être du gâteau, hein. Là l'avant-poste. Oh attends. Parce que là j'ai une main d'Aïcha et ça ça fait plaisir. Ici. Parfait. Voilà. Gentil. On a déjà 13 mains d'Aïcha mine de rien. Allez à la one again. Et direction l'avant-poste. La chouette ne peut pas être appelée. Ah dommage. Mais je sais pas combien ils sont moi. J'aurais bien aimé savoir là. Attends. Gentil. Bon ils sont. Ok ils sont gentils les mammouths. Déjà les mammouths ils t'attaquent pas, c'est déjà pas mal. Bon. Y'en a un là. Y'en a un là, y'en a un là, y'en a un là. Y'en a un là, y'en a un là. Eh, on va peut-être se détendre en vrai, non? Y'en a un là, eh c'est facile ça? C'est censé être facile? Attaque. Il est censé être facile celui-là. Voilà, personne n'a rien vu. Il est où le mammouth? Mammouth! Ah, plus de mammouth. Bon. Eh ben, on va se la faire à l'ancienne, chips à l'ancienne. Wesh! Refais plus jamais ça. Voilà. Chut. Sois discret. On va se la faire à la cool. Ça va, mon gars? Je vais te libérer, t'inquiète. Alarme cassée. Attaque lui là-bas là. Voilà. Voilà. Attaque. Voilà. Et attaque. Bon en vrai j'ai rien à faire.
C'est assez tranquille, je vais pas te mentir. Qu'avec un animal comme ça, des avant-postes faciles, ça se fait en 2-2. Mais je pense que ça aura très vite ses limites sur les avant-postes beaucoup plus avancés. Bref, c'est le quatrième. Et c'est plutôt pas mal. Ah, discrétion plus 1000 XP, les gars. Il faut prendre ça en compte, hein. Le fait de faire ça discrètement. Alors, la cache, attendez. Direct. Le bois dur, là, je prends tout, là. Je prends tout. Tout ce qu'il y a là, moi, je suis déjà au max. Voilà. Là, comme ça, je vais pouvoir refaire plein de flèches. Et genre, mais vraiment beaucoup. Voilà. Il me refaut du bois dur. Hop, voilà. Ça, c'est bon. Et là, je suis au max, regardez. 48 flèches. Tac, tac, tac. Et là, je suis au max partout. Ah non, il me manque encore du bois dur pour faire tout au max. Vous inquiétez pas, voilà, c'est pas un problème. Donc là, je suis au max. Là, je suis au max. Et voilà, là, c'est bon. On est reparti, les amis, de plus belle. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, on avance. Et là, ça commence à être un peu plus clair. Là, on a des feux de camp. Mais redis-moi, ces feux de camp, du coup, ils ont été activés ou pas? J'arrive pas à faire la différence entre les feux de camp activés et pas activés. Ah, ils sont noirs, ceux qui sont pas activés. Ok. Bah attendez, mais ça veut dire que du coup, j'ai fait ces deux feux de camp alors que j'ai jamais fait cet avant-poste. C'est chelou, ça. Bref, ici, on a une difficulté moyenne. Et on s'approche de Jaima la chasseresse. Suivez les lucioles et chassez Grand Élan. Donc en vrai, ça tombe bien. Comme ça, on avance dans l'histoire. On va s'emparer de cet avant-poste qui est donc tout juste sur le chemin. Mais on va passer par le point d'interrogation tout d'abord. Le soleil se couche. Ça fait plaisir. On va assumer. On va bien voir ce qui va se passer, messieurs, dames. Alors. Évidemment, il fallait qu'on ait des vilains qui nous attendent. Oh putain, l'accueil! Oh, le dent de sabre! Tu vas pas dans l'eau, hein? Tu vas pas dans l'eau. Mais arrête! Ah ouais, mais là je peux rien faire. Ok. Oh, le bug. J'ai glitché, c'est dommage. Bref, allez, on va tenter de passer par là. Ni vu ni connu, on passe derrière les arbres. On essaie de me tirer dessus. J'ai un dent de sabre qui me course, mais tout va bien. Tout va bien, qu'est-ce qu'on a là? Camp du méandre. Ah! Évidemment. Camp du méandre, y'a rien à faire ici en plus, hein. C'est formidable. Bon, on continue. C'est ici. On a même un feu de camp ici. Si jamais. Est-ce qu'on peut me foutre la paix? Je pense qu'il va falloir qu'on dorme, hein. On va jamais s'en sortir. Ouais, c'est vrai qu'en plus, le soleil qui se couche, c'est terrible, hein. Feu de camp, ok, ça c'est bon, on a un nouveau checkpoint. On va de ce pas l'allumer. Oh, c'est quoi cet animal? On se repose direct, dormir jusqu'à l'aube. Allez, salut. C'est pas le meilleur bail. Je sais même pas si on peut se faire réveiller, parce que là dans la vraie vie c'est juste impensable ce que je suis en train de faire. Eh bien, manifestement, ça ne pose pas de problème. On peut dormir sans aucun problème. À tout moment au réveil, on va se faire agresser, mais c'est pas grave. C'est ce qu'on aime, hein, bien sûr. De toute façon, on est bien surveillé. Encore une fois, ok, c'est bon. Très bon bail. Ah, c'est quand même mieux le jour, hein. C'est quand même mieux. C'est magnifique, regardez-moi ça. Oh. C'est puis les animaux, là, la faune, la flore, tout est incroyable sur ce jeu. Quand je vois les avis sur Steam et les avis généraux, ou les avis général, je ne sais pas comment on dit, parce qu'au pluriel c'est généraux. Bref, beaucoup ont critiqué Far Cry Primal et c'est pour ça que je suis aussi passé à côté de ce jeu finalement, à l'époque. Et de toute façon, j'étais trop jeune pour m'amuser, je pense, sur ce Far Cry Primal. Moi, c'était vraiment Far Cry 4 et Far Cry 3. Mais non, franchement, putain, quelle merveille ce jeu. Quelle merveille. Quelle merveille. Ok. Et là, on est vraiment dans un biome un peu automnal, si je puis dire. Hop, on récupère les petites feuilles vertes aussi tant qu'on y est. Alors... qu'est-ce qui nous attend? Des petites biquettes. Pas de problème à ce niveau-là.
Ah, j'ai trouvé comment le... Si t'appuies longtemps sur Alt, il vient, ok. Mais je savais déjà, je suis con. Allez, ça crie, ça fait que de crier de toute façon dans cette forêt, c'est incroyable. C'est vraiment pas paisible hein, la préhistoire. Hein. Il se faisait pas chier quand même. Hein. Ok. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on est arrivé. Toi, tu vas rester ici. Allez, petit hibou. C'est ton moment de briller. Et de 1. Et de 2. Un prisonnier. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, bah oui. Encore un petit. Voilà, un petit 9e. Oui, voilà. Impeccable. Oh, bah tiens. Comme si ça suffisait pas. Voilà. Hein. Impeccable. Mais bon, moi je pense qu'il en faudrait encore un. Bon, on a les deux lanceurs d'alerte juste ici. Du coup, ce qui va se passer, c'est simple. Mon tigre, il va attaquer l'un. Et mon hibou, il va attaquer l'autre. De manière synchronisée. Top! C'est maintenant! C'est de la synchro, c'est du travail d'équipe. Et là, ils pourront rien faire, les cons. Là, ils pourront rien faire. Par contre, il se fait massacrer la gueule. Et il est mort, voilà. Il est vraiment nul. Hein. Oh, il est vraiment nul. Hein. Bon! Lui, il a rien vu. Enfin, il aura rien vu. Bon là ils sont pas en alerte normalement. Parce qu'ils se sont juste fait attaquer par des animaux. Donc c'est pas grave. Donc là ils vont se remettre en position tranquille. Là il faut que je casse l'alarme. Oh là là. Faudrait que je casse l'alarme. Hop. Voilà. Hop. L'alarme est cassée. Est-ce que je peux le sauver encore? Oh, c'est dommage. Oh, j'ai réussi à le sauver. Pas du tout. J'ai trop le seum. C'est pas grave. Au moins, je vais pouvoir continuer furtivement mes aventures. On va vraiment essayer de la faire discret. Comme ça, on a à fond l'XP en fait. Par contre, avec mon arc enflammé, ça va être compliqué d'être discret. Voilà, parfait, impeccable. Oh, j'adore les phases d'infiltration, ça c'est la magie Far Cry. Hein. Alors quand ça fonctionne c'est impeccable. Hein. Là il en reste 2 mais j'ai mon arc enflammé, j'aurais pas dû l'enflammer. Il en reste 3 pardon, c'est bon. Mon arc n'est plus enflammé. Oh, 48 flèches, c'est quand même incroyable ça. On va s'occuper du gars en aparté. Juste ici. J'ai de la chance. Ça va bien se passer, Bichette, t'inquiète. Faut juste pas que j'en tue un et que l'autre le remarque. Putain, dans cette situation, c'est pas facile. Hein. Comment je peux faire? Eh bien, je vais vous montrer. Voilà. Impeccable. Là, je vais vraiment faire ça full discret, quoi. Ah. Ok, je sais. Je vais envoyer un caillou là-bas. Yes. Je l'ai envoyé tellement loin qu'ils n'entendent pas. Ils sont bêtes ou quoi? Voilà. Voilà. Allez voir par là-bas les enfants. Ah. Voilà, merci à tous. N'oubliez pas le pouce bleu et vous abonner bien sûr. Let's go. C'est ça qui est bon, c'est ça qu'on veut voir.
plus que 10 avant-postes. Déjà 1250 XP pour la discrétion, messieurs dames. Si ça c'est pas magnifique. Ah, le soulagement, ça fait plaisir. Ah, j'avais pas envie de foirer là. J'avais pas envie de chier là. En plus on a perdu notre tigre, mais c'est pas grave, on va le réanimer. Ah, ça fait plaisir. Mais j'ai envie de continuer comme ça. Et ce qui est cool, c'est que je peux le dépecer, le dent de sabre, à chaque fois derrière quand il meurt. C'est un peu cheaté en vrai ce jeu. Quand on y pense, c'est un peu cheaté hein. Ça c'est pas mal. Et on a des points de compétence. Et attendez, parce que il y avait un truc qui était très intéressant. Ah oui, mais il m'en faut 3 pour passer de 65 à 40 secondes le temps de récupération de la chouette. Ça c'est très important. Oh, c'est, mais en fait tout ce qu'il y a là, c'est énorme. Tout ce qu'il y a là, c'est énorme. J'avoue que lui, on a encore rien fait. Agilité avec arme, le changement d'arme est bien plus rapide, même lorsque vous sprintez avec X. Ah, je savais même pas qu'on pouvait changer d'arme avec X. Ok. Complètement dingue, me diriez-vous. Et puis, vision chasseur, mais on s'en fout de tout ça, franchement. C'est pas le plus important. Et bien dans ce cas-là, dépeçage, on s'en fout. Plante rare, on s'en fout. En vrai, on s'en fout pour le moment de tout ça. Non, on va attendre qu'on a 3 points de compétence pour... même plus. Pour débloquer tous ces trucs-là. Parce que ça risque d'être très, très, très intéressant. Côté confection, bon gourdin, c'est pas un problème. J'ai pas de nouveauté. Ah, je suis déçu. Je suis déçu. On est là. On a Jaima qui nous attend ici, mais je serais bien tenté de faire ça, puis ça. Les difficultés sont équivalentes, hein, sont moyennes. Donc je vous propose qu'on fasse ça, vraiment pour cet épisode. Ça change. C'est quoi ce gourdin nul là? Trop nul ton gourdin, moi je veux ça moi. Mon vrai gourdin. Ouais, donc on va faire ça les amis pour, bah, pour continuer cet épisode. Hein. On va rester sur ce même thème, infiltration, etc. Voilà, vraiment on va... les décapiter un par un, avant-poste, bûcher, et comme ça on aura toute cette zone un petit peu plus safe. Et puis on pourra dans le prochain épisode directement aller voir Jaima, la chasseresse, enfin plutôt faire sa quête. Et je vais rappeler ma bête, parce que mine de rien, je me fais chier sans lui. J'aurais pu monter sur un mammouth, mais avec lui ça va un petit peu plus vite. Mine de rien, regardez le temps qu'on gagne. Si c'est pas énorme, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est incroyable. Allez, ça régale. Oh, regardez les élans. Oh. Pourquoi tu m'attaques direct, toi? On est d'accord, il m'a attaqué là. Là, il a voulu m'attaquer. Hein. Ça va, frérot? C'est quoi ça? Chercher viande. Ok. Warpati, Warpati. Ok, le bûcher. Regardez-moi ce beau bûcher. Pas de problème à ce niveau-là. Ah ouais. Il y a moyen de faire des actions de zinzin. Il y a moyen de faire des actions de zinzin. Je savais pas qu'on pouvait se jeter dans la course. Et ça, messieurs, dames, c'est dingue. Et ça, messieurs, dames, c'est dingue. Alors, reste caché quand même. Allez, c'est parti. Donc le bûcher, il est là, hein. Ein, zwei, drei. Y'en a un là aussi, non? Te prends pas d'arbre. Hein. S'il se prend un arbre, à mon avis. Ah non, ça passe à travers, c'est bon. Y'a que eux deux là? En vrai? Bah, prends celui que tu veux alors. Hop, on s'occupe de l'autre direct. Voilà! Impeccable! Ah, ils ont du poison par contre, faut faire attention, c'est dangereux. Hop! Et voilà, allez hop, ça c'est fait. Oh là là, le headshot en plus, il a rien compris à sa vie, je vais pas te mentir que moi non plus. Est-ce qu'il y a du feu gratuit, bien sûr? Toujours! Un bonheur! Hop! Superbe! Hop! Superbe! C'est bon. J'ai cru que ça marchait pas. Ça, c'est fait, c'était rapide, efficace. Là également, il en reste plus que 10. Donc il reste 10 avant-postes et 10 bûchers, hein, mine de rien. Je dis ça, je dis rien. Bon, on n'est pas à la moitié du jeu, je vous rassure. Ça va prendre plus de temps, et heureusement d'ailleurs, j'espère. Parce que je vous dis, je veux que cette aventure ne s'arrête jamais. Au point où on en est là, c'est juste phénoménal. Là, je suis en train de récupérer toutes les ressources au max dans mon inventaire. Parce que ça me servira forcément. Même si c'est des trucs rares, je m'en fous, je prends tout. Voilà. Parce que dans tous les cas, tu peux pas les mettre dans les coffres, donc autant les mettre sur nous. Voilà. Je suis sûr qu'avec ça... on peut fabriquer des trucs de zinzin, non? Confection, hé. Hey, regardez-moi ça. Couteau Berserk. Voilà.
Alors vous n'avez pas encore appris comment confectionner des couteaux berserk. Et bien regarde. Bam. Et voilà. Lancer des couteaux berserk aux ennemis humains pour les rendre fous furieux et les faire attaquer les autres. C'est du poison en fait. C'est la rage en fait. Saguet. Ça améliore les saguets. Dégâts maximaux quand lancé. Amélioration 4-4-3. Boum. Boum. Oh les gars, je l'ai amélioré comme zinzin. Il manque encore un point d'amélioration. Donc vous voyez, j'ai bien fait de récupérer dans le sac et de remplir mon inventaire. Donc là, j'ai un nouveau type de couteau. Le couteau berserk. Et on peut en fabriquer facile. Silex, feuille jaune du nord. Et ça, ça rend fou les... J'ai hâte d'essayer ça, les amis. On va essayer ça, évidemment, tout de suite. Sans perdre plus de temps. Puisque on va tout simplement eh bien, s'occuper d'ici. Cet avant-poste de la neige. D'autant plus que nous avons de la tenue maintenant qui nous permet de résister au froid. Un peu plus longtemps en tout cas. Et ça c'est top. Peau de grand élou. De grand élan roux. Oh. T'es tombé sur le mauvais coco toi. Est-ce qu'ils sont deux ou pas? S'ils sont deux c'est superbe. Ils sont où? Attendez, il y a des gars là. Il y avait des gars là. Ou je suis fou? Bah, il y a des gens qui ont failli me voir. Ah, là-haut. Ok, vous les voyez? On va essayer. Ils sont trois en plus. Donc je vais leur envoyer un couteau. Et normalement, ils vont s'attaquer. Enfin, la victime va attaquer ses collègues. Ça, ça va être incroyable. Voilà, regardez le spectacle. Regardez le spectacle. Oh, ah, ah. Énorme. 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 Oh, mais non. Hop là, toi t'es mort. J'adore ce jeu, c'est bon pour vous ou pas? J'ai adoré ce moment. Je récupère ma saga quand même. J'ai adoré ce moment. Voilà les amis, ce couteau est incroyable. Je vais en fabriquer un directement. Hop. Impec. Qu'est-ce que je devais faire là? Ah voilà. Allez, on va essayer de monter en toute sécurité. Bonjour petit ours. Fous-moi la paix. Là on est en train de découvrir un nouvel endroit. Un nouvel environnement. Très hostile. Quelque chose me dit qu'on est déjà passé par là en plus. Il me semble. Une fois. Ouais, c'est possible qu'on soit déjà passé par là une fois, non? Dans une... Dans un moment du scénario en tout cas. Scripté, non? Je suis pas sûr. Bon, en tout cas, on résiste plutôt pas mal au froid, c'est cool. On va monter par là. Malheureusement, le tigre ne peut pas nous suivre. Ah si, il arrive à nous suivre. Faut pas chercher. Il est trop fort ce tigre. Franchement, c'est le meilleur compagnon qu'on puisse rêver d'avoir. Alors, je sais pas du tout si c'est par là qu'il faut passer. Mais j'aime bien. C'est quoi ce bruit? Oh non. Alors, par contre, les gars, si je me fais attaquer par tous les animaux du monde... Oh, il a peur! Il a peur de mon tigre. Let's go. Alors, mon ours a peur du tigre. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Alors je pense qu'il faut passer par là. Il faut passer par où là? Ah c'est en bas là. Ah ouais c'est un peu risqué là quand même. Allez salut. Belle réception. Ok on y arrive. Ouais c'est bien là où je vais c'est bon. C'est pas évident. Le froid descend quand même ça va vite hein. Ça va vite. Oh là là, on a une vue de zinzin sur leur avant-poste. Avant-poste de la neige, Walda. Ah oh ouais. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Bon. Là, à mon avis, difficulté moyenne, mais... un peu plus compliqué, je pense, que ce qu'on peut imaginer. Hein. Oh. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais! Ça s'arrêtera jamais. Ok. Où est le truc d'alarme là?
Faille. Il y en a. Attendez, il n'y a pas de truc d'alarme à part un gars là. Bon bah écoutez, on va se faire le gars là. En vrai. Ah si, je vois sur la map en bas à gauche, il y a un truc d'alarme quand même. Donc va falloir le casser. Va falloir le casser. Alors on peut descendre par là visiblement. Donc on va y aller. J'ai plus la jauge de froid. MDR, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ah là on y est là, ça y est. Hein. Ah mais en vrai, si je les retourne les uns contre les autres. Bah il est mort. Je lui ai tiré. Ah mais non, je me suis trompé. J'avais pas le bon couteau. J'avais pas le bon couteau. Ah on est plus dans la neige là. Ok. Je stresse. Je stresse les gars de ouf. Vous avez pas idée à quel point. Là on est dans un autre niveau. Voilà. Attaque les tiens. Attaque les tiens. Bon bah c'est de la merde. C'est de la merde parce que le problème c'est que mon tigre il attaque tout le monde en fait. Ah ouais, des renforts ont été appelés, putain. Bon bah tant pis, va falloir assumer hein. Allez attaque là, va jusqu'au bout maintenant. Va jusqu'au bout mon gars. Allez. Un au hasard celui-là. C'était pas ton jour. Comment tu savais que j'étais là? Comment il savait que j'étais là lui? Mange. Alors je peux... Voilà, je l'ai soigné. Je l'ai soigné. Si je passe par là en vrai, c'est Gucci. Bon bah je l'ai soigné mais il va mourir. Impeccable. Voilà, toi tu vas nulle part. Ok, ah. Oh oui, viens sur moi. Tiens, mange. Let's go. Ah ça c'est bien joué de ta part ça. Ça c'est bien joué de ta part. Là on va gagner là. Là on est soudés. On va gagner sans aucun problème. Voilà. J'ai rien à faire, c'est génial. La chouette sera de retour. Ouais, pas de problème. C'est maintenant. Ça va me permettre de les scanner rapidement aussi. Ok. Bon, il reste plus grand monde en vrai. Bah, ma chouette. En fait, mon loup il a tout fait. Mon tigre il a tout fait. Sérieux, c'était ça les renforts là? 3-4 bugs. Ah ouais. Ah bah ça. Ah, ça me dérange pas hein. Franchement, ça me dérange pas, mais j'avoue, je me suis chié dessus hein. Finalement, il fallait pas. Let's go. Avant-poste de la neige, Walda. J'espère que vous avez kiffé. Bon, là, on n'a pas eu de discrétion ou quoi, malheureusement. Mais en fait, je suis déçu du couteau Berserk. Dans cette situation, ça n'a pas bien fonctionné. Bah, surtout que, comme dit, mon tigre l'a attaqué. Il aurait pas dû, en fait. Il aurait pas dû l'attaquer. Parce qu'il se serait retourné contre les autres, ça aurait été magnifique. Et le problème, c'est que j'ai toujours pas compris comment le renvoyer. Toujours pas, on peut pas le renvoyer en fait. C'est dommage hein. C'est trop mal fait. On peut pas le renvoyer malheureusement. Bon ben voilà. Sauf si vous avez une astuce, je suis preneur en commentaire. Hop, nouveau déplacement rapide. C'est plutôt pas mal. Regardez-moi cette carte, si c'est pas magnifique. Lieu inconnu. Oh là là, on a encore de très 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 belles choses à voir là-haut. Bref les amis, prochain épisode du coup comme promis. Suivez les lucioles et chassez le grand élan pour Jaima. Et puis après on verra par la suite parce qu'il y a tellement de possibilités. Donc on verra en fonction de notre humeur, en fonction de surtout des avancées parce qu'à tout moment il peut se passer une dinguerie. Et côté compétences, eh bien on va faire la récupération 40 secondes. On attendra beaucoup moins longtemps pour pouvoir réattaquer avec la chouette. C'est très 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 important. Arc long. Hop. Let's go.
Donc actuellement on fait 5 dégâts, 9 précisions, 4 cadences de tir avec ce fameux arc long. Parce que jusqu'à présent on a un arc court. On a un arc traditionnel 4-7-8 et là c'est 5-9-4, pas mal. Ceinture à sagaie, transporter 3 sagaies, magnifique. Transporter 4 sagaies, magnifique. Et encore un poisson croc et je pourrais avoir 5 sagaies sur moi. Non mais ce jeu est satisfaisant. Vous venez de débloquer une nouvelle arme. Ah oui, non mais ça, tu vas pas me réexpliquer le jeu, ça je sais comment on fait. Maintenant, regardez, on avait jusqu'à présent cet arc. Et maintenant nous avons l'arc long. Et avec ça mon pote, à mon avis, bon alors du coup il bande un peu plus lentement hein, évidemment, voilà. Il est pas tout jeune hein. C'est normal hein. Et mais par contre je pense qu'on fait des dégâts très très loin, très très fort. Et ça c'est top, regardez-moi cette vue. Cette vue de dingue. C'est fou. Lieu inconnu. Eh les amis, j'ai envie d'y aller au lieu inconnu. J'ai envie d'aller au lieu inconnu encore. Avant de se quitter. Parce que c'est juste là. Il y a juste à sauter. Alors je sais pas si c'est possible. Mais je pense que tout est possible. Regardez, moi je suis un vrai aventurier. Tah la préhistoire. Regarde-moi ça, je te fais une descente en rappel comme t'as jamais vu, c'est le GIGN. Hein. Regarde-moi ça. Adieu. Voilà. Tac. Tac. Ah c'est des collègues. Ouais, j'ai trop peur. Ça va mon gars? Attention. Paf. Paf. Et voilà, il a eu peur. Et il est mort. Je dis ça, je dis rien, je lui ai mis deux flèches d'arc long. Et lui il lui a mis une flèche. Donc je pense que mon arc long a fait beaucoup hein. Je pense que mon arc long a fait beaucoup. Et si jamais j'ai besoin de dégainer rapidement, je prends l'arc classique et là bam, tu vois, je me sauve d'une situation directe. Je suis très content les amis de ce qui se passe. Ah ça, ça veut dire qu'il y a un tigre. Je crois que ça veut dire ça dans le langage préhistorique. Oh non. Ça va, où est le lieu inconnu là? Il est là. Parce que j'ai pas du tout là où il faut en fait. Il est là-bas. Y'a pas un petit poisson croc là? Là je dirais pas non à un poisson croc. Évidemment y'en a pas. Parce qu'on en cherche qu'il y en a pas. Gentil, bonjour. Oh non, ma bête a été tuée. J'ai pas pu assister à sa mort. Comment se fait-ce? Comment se fait-ce? Bon bah au moins il peut plus faire cramer mes opérations discrètes. Oh des singes. Je peux pas les apprivoiser, ça sert à rien de toute façon. Hop. Ah. Voilà, c'est de la torture mais c'est pas grave. C'est la préhistoire, donc on s'en fout. Oh, c'est une grotte le lieu inconnu vraiment là. Abri de la chaude pisseuse. Ok. Alors attends. Ça sent pas bon ça comme fin d'épisode. Hein. Ça sent pas bon comme fin d'épisode ça. Hein. Un petit sac. Ah bah y'a rien d'autre en fait. Tout va bien les gars. C'était juste une petite grotte. Ni plus ni moins. Ça fait plaisir. Et bien voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Les amis, si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, je compte sur vous, et le commentaire qui fait plaisir. Encore une fois, et bien j'ai hâte de vous lire. Et puis surtout bah voilà, s'il y a moyen de renvoyer son animal sans qu'il meure, ce serait vraiment superbe. Tu vas où toi hein? Mais tu vas où là? T'as mal à quelque part? Tu veux que je te soigne? Ah il a mal, attendez, il a peut-être besoin d'aide. Il a peut-être besoin d'aide. Mais tu vas où tout seul là? Mais où c'est que tu vas en fait? Hop! Et voilà, les deux sont morts. Ah il voulait tuer le singe. Bah ils ont réussi du coup. Hop, merci. Et bah alors? Allez les amis, c'était Mkolo, plein de bisous, à très vite. Ciao tout le monde. Qui fait cette vidéo, t'aimes Colo, alors mets un like. Si tu veux soutenir davantage, écris dans le chat. Ton petit commentaire qui fait plaisir, c'est